qui reste en couverture. Tous les Lucernois sont dans leur surface de réparation. Le ballon qui traîne et qui est sauvé sur la ligne. Tête de Kazami qui a été mis à l'épreuve. D'où le manque de puissance probablement qui n'a pas permis au FC Sion de... Deuxième moitié de cette première mi-temps, deuxième coup de coin. Premier poteau, Bamert. Ah Bamert, il avait gagné son duel, il n'a malheureusement pas pu frapper idéalement cette tête. Regardez, et Balthazar qui se jette, mais... Itetinga, Monsieur Tchoudi qui laisse le jeu se poursuivre malgré les énormes cris de Paitim Kazami. Teller pour l'ouverture à la marque. Le ballon qui finit au fond des filets. Et Sandro Teller qui hérite d'un ballon envoyé par Bastien Thomas et contré à la 31e minute. Alors Teller libre de tout marquage. Est agglutiné sur le point de pénalty. On cherche au premier poteau la déviation. Bamert, et c'est le deuxième avec Itetinga qui prolonge ce ballon au fond des filets. Mike Perez nous en parlait en avant-match. Il y a des séries qui sont bonnes à interrompre et le FC Sion n'avait plus marqué deux buts dans le même... Lucas s'appelait forcément avec Binous pour la balle du 1-2 et Fickelcher, première intervention de la soirée pour Kevin Fickelcher qui reste solide devant cette tentative. Mais ça, c'est la réaction que Fabio Celestini et les... Il y a du monde avec un ballon qui traîne, une main et un but. On a laissé l'avantage, il y avait une main sédunoise et la réduction du score. Mais on vous l'a dit, Lucerne est un habitué du fait et rien ne sera épargné aux supporters valaisans. 59e minute, réduction du score signée